c'est Mary. Qu'est-ce qu'un vieil écossais? Alors un vieil écossais, vous savez, c'est un vieux whisky. Un vieux whisky. Alors comment faire ce vieux whisky, ce vieil écossais? D'abord, il faut trouver un écossais. Bon, tu trouves un écossais. Alors qu'est-ce que l'écossais? L'écossais, c'est un gars qui est en jupe. Bon. Voilà. Déjà, c'est bizarre. Et ils ont rien en dessous, déjà, les gars. Ils ont rien en dessous. Alors comment tu fais le vieux whisky? En fait, c'est du jus d'écossais. Faut prendre l'écossais. De base, l'écossais classique. Tu prends l'écossais. Comme il n'a rien en dessous, sa jupe, tu traites l'écossais. Faut traire l'écossais. Alors, faut l'écossais avant, c'est pour ça qu'on appelle ça un écossais. Et tu prends l'écossais, voilà. Tu vois, l'écossais. Voilà, il faut traire l'écossais. Et là, tu as du jus d'écossais. Voilà. Alors, ça c'est déjà le bel écossais. Mais attention, on ne peut pas se faire un petit 12 ans d'âge. Hein? Oui. Enfin, je parle de whisky, bien sûr. Hein, sinon. Le fils d'écossais. T'as un peu space, hein? Un peu space, c'est le gars de le dire. Alors, si vous voulez une autre recette sur quoi que ce soit qu'il en fût, une manière de culture générale ou quoi que ce soit qu'il en fût, eh bien, vous mettez votre question juste en bas dans les commentaires. Bisous, bisous, à très bientôt. Coucou, coucou! Coucou, coucou! Bye bye! Étrange, non?